Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites internet. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec l'élément galerie. La dernière fois, nous avons présenté pas mal de fonctionnalités. Aujourd'hui, nous continuons avec la bordure. Ok, la bordure, c'est quoi? C'est le trait qu'on va mettre tout autour. Donc, je sélectionne le trait, je mets le type là, ici, c'est la taille du trait. Ici, c'est la forme du trait. Je vais mettre ça en pointillé pour qu'on puisse bien voir. Donc là, vous voyez déjà, si j'augmente la taille, par exemple, là, ok, donc ça se met un peu plus en valeur. Si je mets ça, si je mets ça, ok, donc je peux mettre la couleur que je veux hein, pour mes traits. Donc c'est mieux quand ça, c'est fait pour que ce soit mis en valeur. Donc c'est à vous de voir hein, la couleur qui vous convient, etc. Ok, donc on va pas trop s'amuser avec ça. Moi, je vous montre juste les couleurs. Vous sélectionnez le type de trait qu'il vous faut. Okay. Si vous voulez arrondir les bords, vous avez aussi la possibilité de le faire. Là, par exemple, je vais mettre du 10 partout. Alors, du 10, du 10, du 10. Ok, donc voilà, vous pouvez arrondir les bords. Vous voulez animer. Donc, lors de l'affichage de la galerie, vous voulez qu'il y ait une animation, vous pouvez le faire. Donc, on va mettre une. On va mettre. Alors, zooming, on va faire ça. Donc, ça, vous créez l'animation. Vous avez la possibilité, on en avait déjà parlé dans d'autres tutos. Donc, je vous invite à aller regarder de quoi qu'il s'agit. Je ne vais pas refaire tout. La configuration de balise, on n'en parle pas dans ces genres de tutos parce que c'est un peu plus avancé. On en parlera quand il y en aura vraiment besoin. Avancé, bon, ici on a que les fonctionnalités de superposition. La prochaine fois, ce qu'on va faire, on va aller regarder la façon dont ça se présente sur la version mobile. Si vous voulez créer vous-même votre site internet, sachez qu'à l'agence web AWDE, nous avons mis en place une formation gratuite hein, pour vous permettre de le faire. Pour cela, vous pouvez aller sur notre site AWDE.fr, vous scrollez jusqu'au milieu de la page et vous avez un bouton où c'est marqué Je commence ma formation. Vous cliquez dessus et vous aurez toutes les informations pour pouvoir créer votre compte et créer votre site en ligne. Si vous voulez qu'on crée votre site pour vous, parce que nous sommes une agence web, tout ce que vous avez à faire, c'est de nous envoyer un message via notre formulaire en cliquant sur ce bouton ou envoyez-nous un mail à cette adresse mail ou appelez-nous à ce numéro. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram ou YouTube, à tapant Agence Web AWDE. Bye bye.